173 partants au 54e Tour des Flandres, 268 km à couvrir dans cette classique réputée des plus rigoureuses. Après sa victoire dans Gand-Wevelgem, Merckx restait l'homme à abattre. Avec son équipe, Eddy dominerait pourtant l'épreuve tout au long de son déroulement. On verrait quasi constamment les Faimino en front de bandière, principaux rivaux les frères de Vlaming, Gottfried et Gimondi. Le temps froid et maussade incitaient les coureurs à rouler à vive allure. De 30 hommes, dont Merckx et ses équipiers, avaient fait la cassure, mais un passage à niveau permit le regroupement général. Ex-tourwinnaar Roger Pinjon rijdt 70 km alleen voorop. Maar hier op de muur begint hij het moeilijk te krijgen. Eddy Merckx beukt de nog compacte grote groep uiteen. Wie nu niet fris meer is, valt door de mand. Eddy. Dat is de kreet die op de varend weer klinkt. Een ontketende Merckx leidt de achtervolging op Pinjon, die snel zal worden ingelopen. Verbeek gaat duidelijk tot het uiterste om... Quatre jours plus tard, c'est la revanche, c'est le Tour des Flandres. Et après une chevauchée solitaire du français Roger Pinjon, Merckx et Verbeek l'ont rejoint, puis... On a assisté à un regroupement de 13 hommes, dont la plupart des favoris, les deux de Vlaming, Le Mans, Montserré, Jan Janssen, Gottfried, Sercu, Gimondi, ce sont à peu près toujours les mêmes. Eric de Vlaming et Gottfried vont tenter leur chance, mais en vain. Par contre, un deuxième essai sera plus sérieux, son ancien équipier Eric Le Mans réagira, le rejoindra, imité un peu plus tard par Eddy Merckx, Patrick Sercu, qui préparait déjà son sprint, était encore battu à 6 km de l'arrivée, car les trois fouillères ne seront plus rattrapés. Et dans la rue de la gare à Merelbeek, Eric Le Mans va imposer dans un sprint très long sa puissance supérieure à Walter Gottfried, deuxième. Merckx doit se contenter de la troisième place. Boyau arrière à plat. Victoire très méritée pour Eric Le Mans à la belle moyenne de 41 km 400.